Bonjour et merci de nous retrouver pour à l'affiche aujourd'hui, émission spéciale solidarité avec le monde de la restauration. La Covid-19 a bouleversé nos habitudes, des établissements sont fermés et le manque à gagner est énorme. Le Premier ministre Jean Castex a prévenu qu'il n'y aurait pas de réouverture avant février au minimum. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir la plus jeune chef étoilée de France qui a son restaurant dans le cœur de Paris, Julia Sedef Djian. Bienvenue. Merci, bonjour. Cette étoile Michelin, vous l'avez remportée à l'âge de 21 ans. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie Beaucoup, Beaucoup de choses. Chose. <laughs> Beaucoup de choses. Non, ça change énormément de choses. Ça m'a fait sortir de ma cuisine, ça m'a permis de voyager. Ça a marqué vraiment ma carrière. C'est un souvenir énorme, une fierté immense avec mes équipes. Voilà, à 21 ans, on ne s'attend pas à ça et c'est une surprise. Il n'y a pas de mots. Vraiment, ce qu'on a ressenti ce jour-là, c'est gravé à vie et, et c'est vraiment une belle fierté. Alors, justement, avec Renault Fort, on a puisé dans nos archives, on a retrouvé quelques images de vous à l'époque dans votre précédent restaurant. On regarde. Non, mais je le vis très bien, bien sûr. J'y crois pas même des fois. Je me dis que c'est pas vrai. Pince-moi pour voir si je suis pas dans un rêve, mais c'est bien et bien vrai. Ça vous fait bizarre de voir cette ah ouais. <laughs> J'étais toute timide à l'époque en plus. Je me souviens, c'était les premières interviews, les premiers. Je savais pas quoi dire, pas quoi répondre. J'avais peur de... de dire les choses comme je les sentais aussi. Mais c'était il y a cinq ans déjà et, et j'ai l'impression que c'était hier en même temps. Donc cinq ans déjà. Quel chemin parcouru. Le rêve continue. Beaucoup de travail aussi. Et en ce moment, bien sûr, cette dernière année a été très très compliquée avec la crise du Covid-19, euh, une épreuve pour tous les restaurants. Est-ce que ça a freiné vos ambitions Au début, ça a freiné nos ambitions et maintenant, on reprend le dessus et on essaye de se dire non, ça ne va pas nous gâcher euh, nos envies de développement, euh, on est là et, euh, et on va y aller à fond, on va prendre des risques encore plus euh, que, que d'habitude, mais on va le faire parce qu'on n'a qu'une vie aussi. Hein. Et on entend beaucoup parler les chefs, les grands chefs, les grands noms. De la gastronomie française, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a davantage de solidarité dans, dans le milieu oui, on essaye bien sûr d'être tous solidaires. Nous, on est dans un quartier, il y a pas mal de restaurateurs autour. Voilà, on essaye de se soutenir s'il y a besoin de quelque chose. On manque d'un kilo de sucre. De... Voilà, on se soutient les uns les autres. On va prendre le café chez l'un. On essaye de. Bien sûr, c'est important aussi en ce moment, cette solidarité-là, parce que le moral, des fois, il n'y est pas et c'est important qu'on qu soit ensemble. Et parlez-moi un peu de votre restaurant. Comment vous faites en ce moment pour, pour cuisiner Qu'est-ce que vous faites alors en ce moment, dans mon restaurant Bayeta, on fait un pop-up d'une marque qu'on aimerait décaler ensuite dans le marais. Euh, ce sont les bocs. Donc euh, les bocs, c'est des bols caribéens, puisque mes deux associés sont martiniquais. Donc à base de riz complet, avec protéines au choix. Euh, poulet, porc, morue ou végétarien euh, pour les véganes et euh, accompagné de crudités et de bananes frites, plantain, patates douces pour rappeler les Caraïbes, des petits pickles de piments végétariens. Donc voilà, c'est vraiment on se concentre sur ça parce qu'au premier confinement on avait essayé de faire du bailleta à emporter et on s'est rendu compte que c'était très compliqué de faire de la cuisine gastronomique en barquette, que c'était pas vraiment fait pour ça. Donc on a pensé à une offre vraiment adaptée. Euh, à, à, à ça. Ouais, les, les chefs sont obligés de se réinventer un petit peu. Vous faites du click and collect. Euh, D'autres chefs euh, ont trouvé des parades, des nouvelles activités. Certains livrent des ingrédients directement aux clients avec des recettes, bien sûr, et quelques conseils. Reportage. Morgane Youmi n'a pas l'habitude de cuisiner. Et pourtant, ce soir-là, elle a enfilé son tablier en suivant pas à pas la recette d'un chef. Quelques heures plus tôt, dans la cuisine de son restaurant, Stéphane Carbone prépare les recettes qui composeront ces box, comme il les appelle. Là, c'est le cabillaud. Je le prépare parce que les clients vont pas tarder d'ici une petite heure à arriver. Le chef normand a eu l'idée de proposer à ses clients des kits de cuisine prêts à l'emploi avec une fiche pour chaque recette et tous les ingrédients découpés et pesés. Chaque recette, il y aura un code couleur, donc notamment pour le plat, le plat chaud, il y aura un code couleur rouge à respecter. Donc, ce sera tous les ingrédients qui seront avec une petite gommette rouge. Avec ce deuxième confinement, Stéphane Carbon a dû une fois de plus réinventer le fonctionnement de ses restaurants. Et la vente de ses boxes représente un flux de trésorerie, bienvenue en ces temps de fermeture. J'incite tous mes amis restaurateurs ou traiteurs de proposer ce genre de produit parce que les gens adorent de plus en plus. Ils adorent cuisiner à la maison, ils ont des produits sains, ils ont des produits frais et tout est bien expliqué. Morgan Yumi vient récupérer sa box commandée quelques heures plus tôt sur le site internet du restaurant. Merci, bonne Merci à vous. Dans la soirée, nous retrouvons Morgane chez elle. La jeune femme est au fourneau et elle semble conquise par la formule. On arrive chez soi, on n'a pas à réfléchir à quelle recette on, on a envie de penser ce soir. Euh, tiens, qu'est-ce que je vais manger Qu'est-ce qui me reste dans mon frigo Non, la box, elle est là. Il y a tous les ingrédients qui sont prêts. Il n'y a plus qu'à faire. Après une bonne heure de travail, voilà le résultat un repas digne des plus grands restaurants sans avoir eu besoin de songer ni à la recette ni à faire les courses. Julia Sedefjian, avec votre restaurant Bayetta, vous représentez un petit peu la nouvelle garde dans l'univers de la haute cuisine à la française, on va dire. Mais en ce moment, c'est très très compliqué pour toute cette génération, qu'on peut, on peut parler de génération sacrifiée à cause du, du coronavirus, ces jeunes qui devraient être en train d'apprendre leur métier, de parfaire leur formation, des commis de cuisine, etc. Comment vous faites pour les aider, vous Ouais, effectivement, c'est très compliqué là pour pour tous ces jeunes-là, pour les stagiaires, les ouais. apprentis euh, qui cherchent bah, des restaurants pour se former. Moi, je me souviens, l'apprentissage c'est euh, crucial. Ah, mais bien sûr, c'est fondamental. Moi, j'y ai, ai appris euh, toutes les bases de la cuisine, et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, je peux les modifier et faire ma cuisine. Et c'est vrai que bah, on essaye de les aider au maximum, de les prendre deux, trois semaines, quatre semaines pour certains. Ils viennent soit toquer au carreau, s'il vous plaît, prenez-moi, euh, ou euh, ils nous envoient des des mails des cv on n'a jamais autant reçu de, de cv qu'en ce moment donc voilà on essaye vraiment d'aider ces jeunes là parce que pour eux c'est vraiment un enfer cette année hein. et vous même vous avez commencé très très tôt la cuisine officiellement on va dire 14 ans 14 ans derrière les fourneaux à cet âge là vous étiez bien sûr très jeune qu'est ce qui vous a donné envie à cette époque là et qu'est ce qui inspire votre cuisine votre style un peu c'est vrai que j'ai commencé très jeune, après ma troisième, voilà, j'ai toujours été très gourmande, j'adore manger, j'adore les repas de famille, cette convivialité, c'est un moment qui se passe quand on est à table et je sais pas, je me suis dit c'est ça que je veux faire et j'ai foncé. Au début c'était dur parce que c'est pas forcément ce qu'on imagine à 14 ans quand on arrive dans une cuisine pro, c'est assez droit, assez, il y a un vocabulaire particulier, moi je comprenais. Rien, il disait deux qui passent, c'était deux clients qui rentraient dans le restaurant. Moi, je pensais que c'était un plat mexicain. Enfin voilà, j'étais complètement à côté de la plaque quoi. Et euh... <laughs> donc bien sûr que ces moments-là, c'est magique. Et, euh... et vous êtes la plus jeune chef étoilée de France et en même temps vous voulez faire une cuisine un petit peu abordable, non Oui, bien sûr. Le but c'est de rester accessible à tous aussi ouais. parce que voilà, on fait de la gastronomie. Ce n'est pas mais... toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais de plus en plus, j'ai l'impression aussi. Et, euh, et on a vraiment ce, cette envie, euh, avec mes associés, que ça soit un lieu euh, où on puisse retrouver de toutes les générations, euh, et voilà, vraiment accessible, convivial, le partage, euh, voilà, parce que ça fait partie de nos cultures, et c'est ça qui m'a donné envie de, de faire ce métier-là. Et, euh, et ma cuisine, c'est ça aussi, c'est ce que j'ai envie de faire partager, euh, ce, ce partage, cette convivialité, euh, l'amour que j'ai pour, pour la cuisine, pour les produits. Euh, mes souvenirs d'enfance. Et en période de Covid, c'est ça qui doit être compliqué aussi, ne pas avoir cet échange avec avec le client, si on peut dire, la personne qui vient partager, découvrir votre art en cuisine. Ah complètement. En ce moment, c'est pour moi le plus frustrant de d'ouvrir mon restaurant tous les matins, de voir cette salle vide avec nos barquettes pour le emporter et de me dire, voilà, là normalement, on est en train de tout préparer au millimètre près pour pour recevoir nos clients. Et c'est ça qui est magique, c'est de voir leur réaction. Qu'on échange par la suite, ça c'est ce qui nous manque le plus. Alors j'ai lu que parmi vos modèles, parce que vous avez des modèles, il y a une certaine Anne-Sophie Pic, trois étoiles au guide ouais. Michelin, un monument de la cuisine. Parlez-moi un peu d'elle. Pourquoi elle vous inspire tant Et j'imagine que c'est pas seulement parce que c'est une femme qui a su s'imposer dans un milieu qu'on dit souvent un milieu d'hommes. C'est vrai euh, effectivement que c'est un de, de mes plus grands modèles dans la cuisine, aussi parce que à la base, ce n'était pas son métier. Elle a commencé très tard. Elle a repris euh, un empire familial. Et c'est ça, moi, qui me fascine. C'est, Elle l'a repris d'une main de maître. Et, euh, et, et elle est d'une simplicité. Alors qu'elle a trois étoiles au Guide Michelin en France. C'est la, la seule. Euh, moi, c'est vraiment... Euh, elle m'inspire. Me... Vous l'avez rencontrée Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. On a pu échanger. J'ai été manger dans son restaurant Trois Étoiles à Valence. C'était... Une de mes plus belles tables 3 étoiles, c'est magique. C'est vraiment, j'adore son univers, j'adore l'image qu'elle renvoie. Euh, voilà, j'espère être un jour un modèle comme elle peut l'être pour les jeunes, euh, pour pour commencer notre métier, parce que euh, moi c'est vraiment euh, quelqu'un qui m'a toujours euh, toujours fait rêver. Vous allez être content parce qu'on a une petite surprise pour la fin de l'émission. Julia Cédévient, merci beaucoup d'être passée nous voir. On a tous envie, hâte bien sûr de pouvoir retourner euh, dans les restaurants. Dans votre restaurant. C'est la fin de cette édition de À l'affiche. Je vous laisse avec un clip de la Masterclass d'Anne-Sophie Pic. C'est sur la plateforme Welcome Originals qui lui consacre un épisode spécial où elle parle un peu des clés de sa réussite. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pick. Anne-Sophie Pic's success cannot simply be reduced to her being the world's most Michelin-starred female chef. Having regained the family restaurant's third star, she developed a business that now employs 450 people around the world with a turnover of 25 million euros. She's a woman in a man's world and she's self-taught. As a young graduate, she was propelled into the kitchen after the sudden death of her father. Here, Anne-Sophie Pic reveals her secrets to being a leader.